Salut, dimanche matin, bah, vous l'aurez vu, hein, on va faire le sport. Aujourd'hui ça va, hier c'était dur, j'avais la migraine pour changer, laisse tomber. Et mes cheveux, j'ai mis une espèce de soin hier soir. Il est temps, rentre, que je me lave tout ça et que je retrouve des jolis cheveux. J'y vais, je crois qu'Eric m'attend vraiment. Et je crois que le message il est simple. Monsieur a soif, j'arrive. h 33 du matin. C'est bien. On va aller boulanger tout de suite. Ah, ok. On vient de rentrer 1 heure plus tard, regardez. Trop froid. C'est ridicule, je m'en fous. Ça tient super chaud. Pendant plus de 50 minutes, c'est nickel. Je tenais un petit reste de croquettes et petit déj surtout. Mes cheveux sont enfin lavés. Je me suis vite fait maquiller, j'ai encore mon pilou-pilou pour être à l'aise. Et je m'arrête à tourner ici même une vidéo, une FAQ. Il est quand même 13h passées. Mon challenge, c'était de la tourner, de la monter, de la publier le soir. Pour l'instant, je vais grignoter sur l'instant en vente et puis je reprends. Je me montre mes deux petites parts de pizza exceptionnellement parce que je suis pressée. Ça y est, je suis prête. En bas, oui, c'est mon bas de pyjama. Mais on le verra pas. Pizza, je pose ici. Je vais pas mettre mes lunettes. Mais Eric me dit ah, pourquoi tu mets tes lunettes? Bah parce qu'en fait sans mes lunettes j'ai vite mal à la tête, mal dans les yeux. Toi tu comprends toi Manzaki? Alors je veux bien que tu restes là, mais tu tranquille. Je vous laisse. C'est parti, 13h38. On est pas mal. Ça y est, j'ai terminé. J'en peux plus, j'ai hâte de mettre mes lunettes. Vous l'aurez compris, là c'est montage à fond si je veux le faire. Rapidement. Eh mais Jack il est pas venu en fait, il est reparti. Ah bah je comprends mieux. Hein? T'es bien là? En train de te réchauffer le cerveau. Je suis dégoûtée. Dégoûtée, j'étais en train de regarder les pistes. Je me suis rendu compte que ça n'a pas fonctionné, une piste sur deux est coupée, je comprends pas le délire. C'est le genre de truc qui te met dans... Bref, comme je suis pas dans un bon mood, je ne vais pas recommencer, je la tournerai demain, c'est pas grave. En plus, bah, je vais aller voir ma maman, ça va lui faire du bien, ça va nous faire du bien, comme ça, je vais penser à autre chose, c'est pas grave. Mais tu sais, quand tu te fais un truc, t'es content en plus, t'as hâte de regarder et tout, et tu te dis, bah merde, ça n'a pas fonctionné. Bon, allez, c'est pas grave. J'ai mis mon petit gilet parce qu'il y a du soleil, mais quand même, ça caille un petit peu. Je vous pose ici. Que vous puissiez voir mon petit look, j'ai mis mes... Ah, vous n'allez pas voir mes nouvelles boots, là. Je trouve que ça rend bien avec un jean comme ça. On est bien, là, non? Et mon nouveau sac. Voilà. C'est formidable, quand même. Je me décide à partir et il pleut. Le truc, c'est que j'ai vraiment pas envie de mouiller mes cheveux et j'ai pas de capuche, j'ai rien, là. Je vais mettre mon sac sur la tête. Bon, je suis chez ma maman, c'est pour vous montrer les chaussures portées. Comme elle a rendu. Attendez, je vous pose. Non, c'est bon. Est-ce que vous avez entendu ce doux bruit de tititit? Des crêpes, on va faire des petites crêpes. J'ai une question. Enfin, c'est ma maman qui a une question pour vous. Elle est allée voir, il y a 4 jours, maman. Elle est allée chez un dermato. Son médecin lui a conseillé d'aller chez un dermato. Elle avait une tache qui n'était pas belle, une tache, on va dire, un peu suspecte. Et là également, elle a eu recours à, c'est quoi en fait, on lui a brûlé à l'azote, ici, c'est combien, c'est moins 160, moins 180, peu importe, c'est vachement, et le truc c'est qu'elle va pas vous montrer, parce que franchement c'est impressionnant quand même, ça lui fait un truc, une bouffiole, un truc, une cloque énorme toute rouge, et alors là pareil, ça fait genre ça le diamètre quoi. On a posé une question. Et si, ta question c'est est-ce que parmi vous, il y en a certains qui ont eu la même chose de se faire brûler à l'azote une tache ou un bouton? Et est-ce que c'est normal que 4 jours après, ça lui fasse une bouffiole, quoi, un truc énorme et que ce soit impressionnant et que ça la gratouille? Voilà, c'est ça la question. Et oui, je te disais, je te pique tes petites mandarines qui viennent tout droit de... Vélifruits. Oh, on te voit en flou, mais on ne te voit plus. Les fruits sont très frais et... Ouais. J'ai envie de taper les bouffioles. Regardez-moi ce temps. Avec le bruit de la... Moi, j'adore ça. On entend la bruit qui tombe. Vous entendez ou pas? Bah, moi, j'aime bien.
Tu comptais pas me donner celle-là quand même, si? Légère. Ah la vache, mais t'as mis quoi dedans? Elles sont exceptionnelles. T'as mis de l'alcool. Ah oui, j'ai mis du rhum. Ah, du rhum doudou. Je suis rentrée, mais pas les mains vides. J'en avais envie en plus, des mandarines. Des pommes et évidemment, 5 crêpes pour Eric. Ouais. C'est la première fois depuis que j'ai acheté que je l'ai porté. Je l'adore ce sac, vraiment très confort, nickel. Je vais m'enlever ça. Tout à l'heure, ça me jette cette barrette, elle doit me tirer un petit cheveu. Ouh, ben voilà, magnifique. C'est la croix de bannière pour en choper là. 5 il y en a, je crois. C'est tout? Bah, mets du sucre. Non. Oh, il est 19h43. Je me suis mise au montage pour m'avancer et regarder pour changer. J'entendais des petits bruits. Mais t'es trop mignon, toi. T'es un gentil chapounette. T'es trop mignonne. Mais le problème, c'est que t'as déjà mangé. Oui. Oh, et ça répond à sa mère encore? Toujours? On dirait mon truc de ce matin. Alors. Ouf. 20h13. Il serait temps que je lève mes fesses pour aller faire à manger. Je suis pas inspirée. Je pense que je vais faire des petits points avec genre steak de soja, steak pour lui. Mais qu'est-ce qu'il me dit? C'est bon, c'est revenu, j'ai l'impression. Oui, donc en ce moment, on est en train de regarder une... On a fini une série hier. C'est sur Netflix, Snowpiercer. Rapidement, pour faire court, la Terre a... totalement gelé, genre moins 160, un peu comme l'azote sur le visage de ma maman. Et bah forcément, ils peuvent plus, en tout cas, vivre en extérieur, c'est pas possible, sinon bah, ils gèleraient hein, sur place. Donc en amont, ils avaient anticipé, ils avaient construit un immense train, tellement grand que t'as 3000, 4000 survivants, et bien évidemment, il se passe plein de trucs dedans. Je vous conseille, ça vaut vraiment le coup. Et comme on l'a terminé, on a enchaîné sur une nouveauté Netflix. Me voilà, ma carte, il va falloir que je la change, il n'y avait plus de place, il fallait que je fasse le ménage. Tout ça pour dire que Away, cette série, est pas mal, très très bien également. Et bah 20h16, je pense qu'il est temps. Par contre, le truc qui me paraît chelou, il n'y a pas un seul bruit, il est 20h16. Il est fort probable que je retrouve Eric sur son clavier, la tête comme ça, qui se sont endormis. Non, c'est pas impossible. T'es retourné à ta place, toi. J'y vais. Ça va être la bonne régalade. Il n'y en a pas des masses, hein. Le pain là, ouais, je sais, mais il est bon. Hein. Je vous ai pas montré ce matin, j'en ai acheté 2 comme ça, et il y avait aussi un pain au chocolat, forcément on les a éclatés. Ça, c'est comme le pain tradit. Qu'est-ce que c'est bon! On le fait trancher, et au grille-pain là, on a acheté un nouveau grille-pain d'ailleurs. Là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus classique, genre à Darcy? Tu aimes bien les petites poires? Nous sommes le lendemain. Lundi. Je m'apprête à tourner la fameuse FAQ. Je sais pas encore si je garde cette tenue. À voir. Et ce matin, du grand carreau encore, j'avais pris un rendez-vous il y a une semaine pour révision de la chaudière. Et bah, j'avais complètement oublié. J'avais pourtant fait un rappel. Et nous, en plus, ce matin, avec Eric, on s'était dit, ça faisait un moment, on se fait une grasse mat, en mode tranquille, on s'est levé à 9h, on était en pyjama forcément, en train de prendre le café. Là, ça sonne. Le gars qui arrive avec tout le matos, en mode bonjour. Ah là-bas, j'ai tracé là-haut, j'ai laissé Eric, groupe de chant, il m'a regardé, il m'a fait. Voilà, ça c'est le petit truc du jour. Et aussi, quand même, très important, merci pour le fameux code rouge. Vous êtes vraiment des champions, vous avez assuré, je n'en dirai pas plus. Sur ce, je vous laisse, je vais faire mon montage de ça et le tournage de l'autre. Normalement, si tout va bien, vous verrez la vidéo demain. Sinon, ça sera après-demain, mais de tous les cas, normalement, vous l'aurez. Je vous fais un énorme bisou.